Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Donc, pas de figurines cette fois-ci. Je vais vous présenter plutôt l'édition limitée de Life is Strange du Before the Storm que j'ai reçue du coup. Donc, l'édition limitée se compose avec des petites figurines que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. C'est un jeu développé par Square Enix, comme vous pouvez le voir ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Life is Strange Before the Storm, c'est la préquelle de Life is Strange, premier du nom, qui est sorti il y a déjà quelques années. Je vous le présente, j'avais aussi pris l'édition limitée à l'époque, sur PC toujours. Je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne le connaissaient pas. Donc, retracer l'histoire de Max Caulfield, une étudiante en photographie qui découvre, en sauvant la vie de sa meilleure amie Chloe Price, qu'elle peut remonter dans le temps. Les deux jeunes filles se retrouvent très vite à enquêter sur la mystérieuse disparition d'une autre étudiante, Rachel Amber, révélant le côté sordide d'Arcadia Bay. Pendant ce temps, Max va devoir apprendre rapidement que modifier le passé peut avoir des conséquences désastreuses sur l'avenir. Mais ça, je pense que tout le monde pouvait s'en douter à part elle, de toute manière. Ce n'est pas bien de modifier le passé, Max. Du coup, voilà, ça c'était l'édition limitée du premier du nom. Et ça, du coup, c'est la suite. Donc, autant vous lire le résumé. Life is Strange revient avec une nouvelle histoire qui se déroule 3 ans avant les événements du premier jeu. Cette fois, vous incarnez Chloe Price, une rebelle de 16 ans qui se lie d'une amitié inattendue avec la belle et populaire Rachel Amber. Rachel, du coup, qui avait disparu dans Life is Strange premier du nom, je vous le rappelle. Alors que Rachel dévoile un secret de famille et que Chloé commence à travailler pour Frank Bowers, voyou notoire, elle découvre un côté obscur d'Arcadia Bay. Voilà. Donc, forcément, je ne vous conseille pas de jouer à Before the Storm si vous n'avez pas joué à Life is Strange premier du nom. Ça va de soi. Donc voilà. Je reviens ici. L'édition limitée comporte... L'épisode 1 de Life is Strange saison 1. Donc, sachant que je l'ai, si ça intéresse quelqu'un, je vous l'offre sans problème, vous n'aurez qu'à me dire. Donc, c'est un jeu Steam. Il vous faut Steam, et dans ce cas, je vous donne le code et ça vous permet de jouer à l'épisode 1 gratuitement. Vous me dites, s'il y en a qui sont intéressés, moi, il n'y a pas de problème. Du coup, Before the Storm, la saison complète, forcément, un épisode bonus, un pack de tenues en plus pour Chloé. On a un mode compile, un artbook et la bande originale. Voilà, voilà. Et bien sûr, les petites figurines, ne les oublions pas. Sur ce, on va ouvrir. Pour ceux qui se le demandaient, Life is Strange, premier du nom, l'édition limitée, je crois qu'il comportait un artbook et la BO. Voilà. Et évidemment, la saison complète du jeu. Pour ceux qui ça peut intéresser, en général je mets toutes les informations en barre de description, mais j'ai eu là l'édition limitée sur le site de Square Enix boutique tout simplement, mais je sais qu'il est on peut l'avoir à Micromania. Par contre, je ne sais pas si les figurines sont toujours disponibles, car je crois que c'était juste un bonus de précommande. S'ils en ont toujours, vous les aurez. Voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'il y avait une édition aussi collector, et je crois dans ce collector il y avait un vinyle. Hop, on va y arriver, sans l'abîmer ça serait mieux. Mais bon, moi je suis tellement douée. Ah oui, hein. Pour ceux qui me connaissent. Voilà. Voilà. Avec mon code de Square Enix, évidemment. Le petit artbook. On va le regarder un peu ensemble. Quand même, que vous en profitiez. Thank you.
que je l'amassais bien. Et du coup, bah, la BO. J'adore la couverture. Elle est super jolie avec les oiseaux qui s'envolent de ses cheveux. Je trouve ça magnifique. Et du coup, on a 15 pistes. J'ai hâte de les écouter. Voilà. Et évidemment, le plus attendu pour moi. Bon, et le fait que j'ai hâte de jouer au jeu, forcément. Et pour une fois, j'ai l'impression que Square Enix ne s'est pas trop raté dans les figurines. Enfin, parce que Square Enix n'est vraiment pas doué normalement pour les figurines. Hop, les petits socles. Tout petit, tout petit. Ok. Commence du coup par Rachel. Donc, ma foi, son visage est très mignon. J'aime beaucoup ses petites joues roses, c'est vraiment chou. On remarquera qu'elle est abîmée ici. Hein, ça commence bien. C'est pas grave, on a l'habitude. Bon, alors ça, du coup, c'est voulu, c'est pour faire les ombres. C'est spécial. Bon, hein, on voit que c'est pas... On voit très très bien le trait ici. Bon, après, pour une figurine comme ça, genre, je m'attends pas non plus à de la qualité. C'est juste vraiment dommage si ici, c'est vraiment abîmé. Hop. Tout simple. Bon, après, franchement, ça va. Hein, pour des petites figurines comme ça, franchement, ça va. Les oreilles, franchement, ils auraient pu en faire plus. On dirait les oreilles que je dessine pour mes personnages chibi fait à la va-vite en 2 secondes parce que j'en ai rien à faire. Donc, pas hein, des petits détails en plus auraient pas été de trop, je pense. On va essayer de la mettre. Je pense que c'est elle qui va ici. Hop, voilà, une demi-mise. Et Chloé, personnage que je n'aimais absolument pas trop dans le premier, et apparemment elle est pire dans le Before the Storm, ça promet. Donc pareil, elle a ses petites joues roses. Ça par contre, je trouve que c'est le petit détail super mignon. Bon, ses cheveux, ça fait un peu pâte à modeler. Hein, c'est pas folichon. Belle. Bon, cela dit, franchement, je la trouve quand même très très mignonne. Ah, par contre, ça commence bien. Un socle est cassé. Ouais. J'ai eu un socle cassé. Bon, j'essaierai de contacter Square Enix pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Après, je pense pas que ça soit très grave, mais elle tient quand même très bien, donc c'est pas très grave. Bon, elles sont franchement très très mignonnes. Je les aime beaucoup. Bon, c'est un peu dommage pour le socle cassé, mais en soi, ça pose pas vraiment de problème tant qu'on peut la mettre au moins sur un pied, mais bon. Qualité Square Enix. Bref. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse un peu plus d'unboxing, on va dire différent des figurines. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bisous!